Bonjour, bonjour, bonjour partout, vous nous suivez. D'ailleurs, je suis ici en Angola, à Luanda, partout vous nous suivez. Je suis en vacances, donc je suis en train de travailler sur un projet avec l'agence Casarema. Et puis, dans son nouvel label, Casarema Prod, qui vient à peine de lancer les articles sur les marchés. Donc, c'est Casarema. Donc, Casarema Prod. Donc, je suis réalisateur, j'ai réalisé pas mal de clips. Donc, avec elle, donc, je vais vous montrer quelqu'un. C'est déjà disponible, donc. Hein. C'est déjà disponible. Lise Mazambi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. En fait, Blaise Mazambi. La jalousie, une maladie t'a invité dans la vie des autres, qui t'a nommé agent en secret fait, dans la ta vie vie des autres. masse, maestro crasse lamba. Ce sont mes clips que je viens de lancer. Donc, allez s'abonner. Abonnez-vous sur Casarama Prod. Donc, c'est déjà disponible. Hein. Donc, je peux vous montrer après. Donc, de toute façon. Allez sur YouTube, faites ceci. Là, je suis en direct. Dans YouTube. Partez sur YouTube. YouTube, puis. Tac. Et puis, prends Casarema Prod. C'est là. Vous allez voir les clips, c'est ça. C'est ça. Déjà disponible. Dans c'est ça. Dans c'est ça. C'est ça déjà. Ok. Allez juste ici, abonnez-vous. Moi, je suis déjà abonné. Donc, il y a pas mal de clips. Il y a beaucoup de clips à l'intérieur. Vous allez voir, j'aime ça. Tu vois. Ok. Ok. Je me retourne. Je dois bloquer ici. Bon. Aujourd'hui, on va travailler sur Photoshop. Donc, je suis réalisateur, je suis infographe, je suis aussi un blogueur. Donc, j'ai fait pas mal aussi des créations de sites WordPress. Donc, si vous voulez aussi créer vos YouTube monétisés, sites monétisés, j'ai fait les monétisations de toutes les plateformes. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais apprendre quelque chose sur Photoshop. Donc, quelque artiste, hein? Donc, sur Photoshop. Je vais essayer un peu d'aller capturer l'écran Photoshop. Donc, nous sommes ensemble. Je vais vraiment travailler sur Photoshop. Ok. Ok, je vais essayer juste pas ça. Là, je fais juste la miniature. Donc, je vais essayer de changer la photo ici. Donc, je vais changer ça. C'est pour cela que je vais aller chercher ma photo. Je vais faire ouvrir. Donc, je vais venir ici chercher ma photo que je vais remplacer. Ça, non, j'ai plusieurs photos. Ça, j'ai déjà utilisé ça. Non, je vais aller ici. Regarde le bureau. Ça. Je peux prendre ça. J'ai déjà utilisé. Ok. Déjà, est-ce que je le fais ça? Ça passe encore.
Non, je vais une photo rapprochée. Wow. Ok, je vais juste prendre ça. Okay. Là, je vais zoomer un peu. Et puis, je vais prendre mon outil plume. C'est ça, je vais prendre ça. Même si je peux appuyer sur P directement dans le touche P. Donc, je prends ça. Je vais zoomer. Ctrl plus. Pour les Windows, commande plus pour Mac, ou bien vous faites Alt, vous glissez la souris avant, après, avant, 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 derrière. Je vais essayer de commander, de couper. Excuse-moi. Ok, moi souvent je fais comme ça. Je commence ici, je prends ici, je mets ici, tac, je prends ici, je pousse ici, c'est simple, vous voyez, c'est ça. Et puis je vais venir encore ici, simplement, tac, je monte un peu, parce que je n'ai pas besoin de tous les détails là, des petits cheveux là, je n'ai pas besoin de ça. Donc je recommence, donc je mets ici, je clique ici, je touche ici, et puis je vais appuyer sur commande ou bien contrôle. Je vais cliquer ici, puis appuyer sur commande, contrôle, je remonte. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, appuyez ici, contrôle, commande. Donc, sur les Mac, c'est commande. Et sur, je vais mettre ça. Je vais éliminer ça. Ok, je vais essayer de tirer ici. C'est bon. Et puis, je vais venir ici. Tac, tac, tac. Ok. Tac, tac. Oh. C'est bon, je vais lever ça. Essayer un peu d'augmenter. Donc, je descends. Comme je vais me limiter dans la siège. Dans la siège, je viens ici. Je mets ici. Je vais un peu. Je touche ici. Je viens. Ok. Tac, tac, tac. Je vais essayer un peu d'écouter la chaise. Ok. Donc il y a plusieurs manières. À 2022, Photoshop a ajouté beaucoup des outils de coupage. Tu peux directement enlever l'arrière-plan sans passer par ici. Mais nous, en tant que professionnels aussi, donc, on aime beaucoup travailler sur ça avec la plume parce que c'est plus de détails. Donc c'est pas mal d'utiliser aussi les outils que Photoshop vient de lancer. Mais moi j'aime la plume parce qu'il y a l'exactitude à l'intérieur, donc j'aime ça, pas mal ça, c'est ça. Comme ici c'est normal, je vais cocher directement ici et puis je vais mettre ici, je vais cliquer et puis je vais venir ici, je vais faire ça. Ok, je vais toucher ici, je descends un peu ici. Ok, ok, c'est bon. Hop, je viens ici, je monte, je mets ici, je viens. Tac. Au lieu de descendre en bas, au lieu de descendre comme ça, comme je vais faire shift majuscule pack, comme c'est ligne droite, je vais venir ici. Tac. Je vais zoomer encore pour voir mes détails. Il faut vraiment zoomer la vidéo et la photo pour voir les détails. Donc c'est un peu ça. Pack, pack. T'entends ici, tac, tac, tac. Ne vous inquiétez pas, il y a des manières, si même si le coupe n'est pas bien coupé, je peux améliorer les contours avec l'outil sélection. Donc je peux le faire, mais j'aime déjà couper avec précision la photo, que j'ai pas beaucoup de travail.
j'ai pas beaucoup de travaux sur ma photo, donc tout sur les pages. Donc là, je vais commencer à cliquer kkkk. Ici, je vais mettre directement pack. Je reviens ici. Donc, c'est un peu ça. Il faut prendre votre patience. Ici, je vais détourer directement. Je fais le détourage. Ok. Comme c'est petit, j'avance. Là, je fais comme si je dessine. Donc, c'est un peu ça. Et je vais zoomer un peu. Ok. Voir ici. Ok. Pas. Pas. Tac. Pas. Je vais essayer un peu de dézoomer. Ok. Je vais directement ici et puis. Ok. Ouf, c'est du travail ça. Il faut vraiment prendre du temps. Je vais faire juste la miniature. Ok, pack. Et puis je vais retourner pour. C'est quoi ça? Ouf. C'est bon, donc je pense que vous me suivez. Mon logiciel vient un peu de planter, donc je vais voir ce qui se passe avec mon projet. Voilà, c'est planté. Oh. Je vais enregistrer ça, puis je vais réouvrir encore. Non. Je vais enregistrer les tests parce que je dois récupérer quand même la compte que je vais voir. Non, j'ai dit bien PSD. Tantôt il y a un problème de l'espace, je vais essayer un peu de purger. Donc, ok, je vais aussi voir s'il y a des logiciels. Voilà. Ok, je vais réouvrir encore pour voir si c'est. Ok, je vais voir si c'est normal. Je vais toucher sur CTRL et je vais récupérer. Vous voyez, il y a d'autres. Je vais rassembler. S'il y a des ordinateurs qui bloquent comme ça, et puis si tu n'as pas pris d'âme, si tu n'es pas pris d'âme. Je vais recommencer les travaux. Donc, je vais prendre maintenant outil défini une sélection. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre 0,5 pour récupérer quand même le lisse. Ok. Et ici, j'ai beaucoup de manières à faire. Je peux faire copier. Donc, CTRL ou bien commande C et puis commande V ou bien CTRL V. Et puis j'enlève ici, ça va aller. Ou bien je peux laisser comme ça et puis faire juste commande J ou bien contrôle J, ça va se dupliquer et puis j'enlève ça. Donc vous voyez déjà l'arrière-plan est parti. Donc si je fais un peu de zoom, vous allez voir que l'arrière-plan est parti. Donc ici il y a vide, c'est le transparent. Puis je vais essayer un peu de rogner ça, les rogner. Ok, pack. Que ça puisse me donner quand même la sens. Ok, merci beaucoup. Là, on vient de finir la première partie de notre formation. Donc, la partie était qu'on puisse quand même couper l'arrière-plan des chaises. Et puis, on puisse... Maintenant, on va passer sur la retouche. Je vous demande beaucoup de vous abonner dans ma page. Et vous aurez plus de vidéos. Donc, abonnez-vous vraiment. Donc, j'ai besoin de vos abonnés, de vos... abonnement, ça va m'aider quand même à aller plus loin. Donc merci beaucoup à tous qui partagent ma vidéo.
Je vais maintenant aller donner l'aspect de ma photo. Je vais donner l'aspect de ma photo. Je vais donner quand même de l'accentuation, contraste, tout ça là. Je vais mettre ça, je vais faire ça. Dans un peu ça, je vais retourner dans Photoshop. C'est ça. Donc je vais utiliser l'outil RAW, le filtre RAW, comme je vous avais dit, okay, pour récupérer toutes mes couleurs ici. Et puis, vous voyez, si je zoome, il y a les problèmes. Ma photo n'est pas bien. Tu vois, il y a des flous ici, il y a des mosaïques dans la peau. Tu vois, c'est pas clair, c'est pas net. Je vais essayer un peu de donner la netteté. Je vais arranger ça. Et tu vois, c'est vraiment flou quand vous zoomez. Parce que c'est une photo qui a été capturée par un téléphone. Donc c'est ça. Je vais essayer un peu de dézoomer et puis corriger mes couleurs. Là, la photo est déjà bien exposée, bien capturée parce que c'est une belle appareil qu'on apprécie. Mais je vais essayer de donner quand même le look. Je vais prendre le filtre caméra RAW. Donc c'est ça. Je vais essayer un peu de zoomer ma photo. Et puis, je vais commencer par réglage ici. Je peux corriger d'abord mon température si c'est mieux, mais je pense que c'est pas ça. Je vais bouger un peu. Bon, c'est pas aussi intéressant, mais je peux bouger quand même pour adoucir quand même la peau. Bon, je peux donner de l'orange, plus de l'orange, pour donner quand même l'aspect dans la peau. Je vais faire ça. Donc, je viens ici. Comme la photo est bien exposée, donc je vais toucher juste l'exposition. L'exposition, contrôle de luminosité de votre photo. Contraste, déterminer la contraste entre les couleurs claires et foncées. Vous voyez, temps clair, contrôler la luminosité des zones le plus claires de la photo. Et puis temps foncé, contrôler la luminosité des zones les plus sombres de la photo. Donc c'est un peu ça. Blanche, ajuster le point blanche sur la photo. S'il y a des points blanches. Et puis ici, définir les points noirs de l'image. Donc c'est ça, je vais commencer ici. Je vais essayer un peu de monter un peu. Tu vois, je vais monter un peu, pas trop. Donc je vais monter un peu, plus 3. Et je peux baisser un peu les tons foncés. Je vais baisser un peu. Puis ça. Donc je fais ton clair. Je vais augmenter un peu. Ton clair. Je peux le baisser. Mais ok, je peux baisser ça comme ça. Je peux baisser ça parce que c'est. Ok. Bon, alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment trop. Je peux baisser un peu. Voilà, je peux baisser. Et puis, je peux monter les plans. Comme ça. C'est ok. Donner un peu de l'éclairage dans l'image. Ok, c'est bon. Vous voyez quand même, c'est quelque chose. Mais là, ici, c'est détruit. Tu vois, c'est parti. Je vais essayer un peu de rénover. C'est un problème ici. L'exposition qui est ici n'est pas ici. Donc je vais essayer un peu de. Donner un peu. Voilà, je vais augmenter un peu. Ok. Donc c'est ça, je vais ranger ici. Donc vous allez voir ici, tu vois. Comme je vous avais dit l'autre fois, c'est ça. Je vais essayer un peu de donner le texte qui est clair, éclatant dans ma peau. Okay. Et les vibrances. Okay. Et je vais donner. Deuxième, ça c'est déjà fini.
c'est bon. Je vais maintenant aller dans le deuxième. La courbe, je peux essayer un peu de donner un peu de lumière. Ok, donc c'est un peu ça. Et puis je vais donner la détail. Je vais réduire, tu vois. Je vais donner la netteté. Je vais réduire ici. Ok. La peau est devenue lisse. Donc je vais maintenant mélanger les couleurs ici. Je vais essayer de mélanger les couleurs. Bon. Ok. De vous comment vous allez faire, mais moi je donne quand même l'aspect dans mes ok. Bon, on va essayer un peu de regarder encore. On va essayer un peu de regarder comment. Ok, ça va. Vous voyez quand même notre photo a pris quand même une forme. Donc c'est un peu ça. Tu vois, c'est ça. Comme je n'ai pas trop retouché ça, mais j'ai donné quand même l'aspect. Et je vais enregistrer ça. Ma PSD, donc si vous venez enregistrer sous, vous allez enregistrer sur ordinateur PSD dans format Photoshop. C'est format Photoshop pour je vais retoucher ça après. Ou bien vous pouvez directement regarder aussi les fonds transparents. Vous pouvez directement exporter sur PNG. Vous pouvez exporter directement sur PNG. Donc, vous l'exportez directement. Donc, si vous voulez, vous allez revenir encore pour modifier. Vous allez enrichir sur PSD, mais si vous n'allez pas revenir, j'ai fini. Maintenant, je vais venir remplacer ça dans la conception que j'avais fait. Donc, je vais remplacer ça ici. Au lieu d'importer, au lieu de faire importer, je vous ai expliqué importer, incorporer, non, importer, lier. Lié, c'est bien, mais c'est pas vraiment bien parce que quand le jour où vous allez enlever votre clé ou bien pour aller imprimer avec les projets, ça va aller. Ça va rester sur votre machine. Dès que vous arrivez là-bas, il va vous demander de lier la photo. Donc, vous n'aurez pas de modifications. Mais ici, incorporer, vous allez incorporer la photo sur votre projet. Même si vous allez avec la projet sur notre... Donc, je vais chercher la photo. C'est où? Ça c'est pas ça. Je l'ai mis. C'est ça, la photo c'est ça. Ok. Donc c'est transparent. C'est transparent. Au lieu de faire ça importer, commence encore à ajuster.
Moi, je pense, vous pouvez garder la photo dans la plasma ici, et puis venir ici dans la petite onglet ici, donc objet dynamique, vignette d'objectif dynamique, d'objet dynamique. Vous double-cliquez ici, ça vous fait ouvrir la photo. Et puis, s'il y a quelques réglages que j'avais fait, je vais juste importer la photo à partir d'ici. Ça va m'aider aussi à... Excusez-moi. Ça va, mais... Je vais prendre ça. Tac, je mets ça ici. Et je vais désactiver ce qui est là. Hein? La photo est un peu abîmée, donc je vais effacer les réglages. Ici, ça là, je peux garder ça, ce sont des outils que j'avais fait quelques réglages ici pour donner quand même l'aspect dans la photo. Je vais essayer un peu de zoomer ça, que ça puisse prendre toute la chaise. Tac, c'est ça. Donc, j'enregistre. Dès que vous enregistrez, et ici, ça remplace. Vous voyez? C'est très important. C'est très très important. Là, il n'y a pas, vous n'avez pas bougé la photo. Non, la photo est remplacée. Mais il y a un problème ici. Nous avons quelques problèmes ici dans notre contour. Tu vois, c'est vraiment sale ça. On va essayer de corriger ça. Donc, on va revenir dans la photo. Et puis, je vais faire ça. Je vais mettre mon souris ici. Je vais appuyer sur commande ou bien... commande ou bien contrôle, je vais, tu vois, une petite signe qui sort là, tu vois, je vais maintenir contrôle ou bien commande, je vais cliquer et ça va récupérer la sélection. Je vais venir sur menu et puis sélection et masque. Je vais venir là et je vais dégager du contour. Un peu contraste, contour progressif, arrondir. Donc, tu vois, si vous voyez, vous allez voir que ça donnait quand même, tu vois, un peu de lissage à côté, ça a levé. Et puis, on va faire OK. Tu vois, il y a ici. Et puis, je vais faire touche majuscule et contrôle I. Majuscule, commande I pour renverser la sélection. Tu vois, la sélection est renversée. Et je vais juste faire le masque. Tu vois, j'ai masqué les saletés que je vais sortir, c'est ça. J'ai enlevé toutes ces saletés ici. Je l'ai enlevé. Ouais, je voulais juste vous montrer ce que je viens d'enlever. Et maintenant, directement, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça pour donc je vais faire juste contrôle majuscule I pour revenir encore. Vous faites sélection inversée, tac, vous voyez, ou bien moi j'utilise beaucoup de raccourcis et je vais appuyer ici dans le masque, tac, tu vois, dans ces masques, j'enregistre. Ctrl S et je vais revenir ici. Tu vois, c'est parti. Il n'y a pas vraiment trop de... C'est un peu ça. Donc, là, je vais essayer de couper un peu la chaise ici, d'arranger ça. Si c'est pas propre, je vais prendre ici. Je vais prendre l'outil ici gomme et je vais enlever. Là. Je vais essayer un peu de donner quand même un aspect bien. Ok, je vais... Ok. Oh, c'est compliqué ça. Donc, je vais faire ça. C'est un peu ça. Ok. Ok. Merci beaucoup. À la prochaine. Notre tuto est là et puis vous allez exporter ça. C'est contrôle.